parler de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance, frères et sœurs bien-aimés, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni même la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. On continue.